That lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings is called to me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living Lord. Hallelujah, praise the one who set me free. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. And out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. That's good news. Sing that again. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to rain. And out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, he knows. He's coming to me. Jesus Christ, my living hope. Oh,
rosée de tes pluies irrigue ma vie. Célèbre ton nom, nom irredoutable. Oui, qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. On célèbre ton nom, nom irredoutable. On célèbre la force du roi qui aime la justice. Adonai, Dieu souverain, puissant et redoutable, adoré soit ton nom, toi qui gardes ton alliance à jamais, toi qui renouvelles ta bonté dans nos vies tous les jours, toi qui demeures fidèle à ceux qui s'attachent à tes promesses, gloire à toi Seigneur. Si tu descendais dans ta gloire pour recevoir de nous cette belle offrande de nos lèvres, la louange de nos cœurs. Alléluia. Moi, je n'entends rien du tout. J'entends pas. Dieu. Alléluia, alléluia. Je dis encore shalom, shalom, shalom. Bon réveil matinal à tous et à toutes. Alors, le plaisir est pour moi de vous retrouver ce matin, comme tous les matins depuis pratiquement bientôt 3 ans maintenant. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Je crois que cette prière matinale, le matin de gloire, est devenue, elle fait partie maintenant de notre quotidien. Et nous bénissons le Seigneur. Et par rapport à ce programme de 21 jours de jeûne et de prière, aujourd'hui nous sommes à J7. Nous bénissons le Seigneur. Cela veut dire que nous avons déjà fait un bon nombre de chemins. Alléluia. Et nous croyons que l'avenir est meilleur. Gloire à Dieu. Donc ce matin, comme vous pouvez le constater encore, je ne suis pas seul dans ce studio. Je suis en direct depuis l'Allemagne avec la servante de Dieu, la prophétesse Bella, alléluia, qui va nous conduire ce matin spécialement sous une onction terrible et qui va nous permettre de pouvoir être bénis par le Seigneur ce matin. Pendant 1 heure de temps, nous allons être accrochés aux ailes de cet aigle pour atteindre les sommets, alléluia. Amen. Je crois que bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des moments qui sont inoubliables. Ce sont les moments de grandes prises de décision, de transformation, lorsque tu te positionnes et que tu t'alignes. Tout ce qui ne fonctionnait pas, ça a l'objet de fonctionner. Alléluia. Parce que tout simplement, tu te positionnes en alignement. Et je crois que, bien aimé dans le Seigneur, c'est la grâce de Dieu
qui le permet en ce jour. Donc, je vais tout simplement, encore une fois de plus, sans plus tarder, sans plus monopoliser la parole ce matin, je vais directement transmettre l'antenne à la servante de Dieu, la prophétesse Bella qui va nous conduire ce matin dans ces temps de prière. Prophétesse, bonjour, bon réveil matinal. Bonjour mon père, bon réveil matinal. Que la grâce du Seigneur soit ton partage. Merci beaucoup, je le reçois au nom de Jésus. Alléluia, c'est un plaisir de pouvoir partager ces moments ensemble avec toi autour de la parole de Dieu. Okay. Et nous voulons tout simplement te recevoir encore ce matin pour être un canal par lequel l'onction de Dieu, la grâce de Dieu va couler pour venir améliorer et pour venir nous positionner dans cette période d'alignement. Que Dieu te bénisse, à toi l'antenne. Amen. Alléluia, amen. Je vais juste brancher mon téléphone. Et voilà. Bonjour, bonjour à tous. En tout cas, soyez encore les bienvenus dans notre programme de 21 jours de jeûne et prière. Comme j'aime toujours dire merci et fortifier ceux qui sont fidèles, ceux qui sont obéissants jusqu'à la fin. Que le Seigneur, en tout cas, vous bénisse. Merci pour votre amour, patience et pour votre soutien. Vous qui partagez ce live, vous qui partagez tous nos lives, vous qui parlez avec des amis, qui parlez avec vos familles pour les encourager aussi à participer à ce grand programme de jeûne et prière. Que Dieu te bénisse, toi qui ne caches pas ton identité en partageant ce programme. Tel que mon papa avait dit la fois passée, le prophète Jude il a dit, au moins que tu sois parmi les gens que tu n'aimes pas, que les gens sachent que tu pries. Alléluia. Donc, tu ne veux pas du tout que les gens sachent que tu pries, que tu cherches Dieu. Alors, mais si tu es parmi les amoureux de Jésus-Christ, tu n'auras ni honte ni peur de vivre ton identité. Alléluia. J'aimerais encore, pour ceux qui nous accompagnent aujourd'hui, pour la première fois aussi, leur dire, soyez les bienvenus. Merci en tout cas à vous tous de pouvoir toujours vous réveiller très tôt le matin, juste pour participer à ce grand programme. Donc, pour ceux qui nous suivent pour toute la première fois, qui ne connaissent pas encore notre verset de base, j'aimerais encore lire pour nous tous. Aujourd'hui, nous allons partager aussi sur un petit thème, bon, qui est grand en soi, mais je ne vais pas en parler dans sa grandeur. Mais je pense que le peu que je vais dire va te réveiller ce matin pour reprogrammer mieux ta destinée. Alléluia. Tu Amen. Prends avec moi ta Bible, tu es dans le livre de Romains 8, 29, là où se trouve notre verset de base. Et ensuite, je vais te donner quelques versets que nous allons lire avant de te dire de quoi il s'agit, que nous allons parler ce matin. Que le Seigneur soit glorifié. Je lis pour nous tous. La Bible déclare ceci, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Donc, Dieu t'a prédestiné pour être semblable à Jésus-Christ. Et bien aimé, notez ceci, sans exception, dans tous les domaines. Alléluia. Dans tous les domaines. Donc, tu ne peux pas être semblable à Jésus-Christ les dimanches, les lundis, tu ressembles à un démon. Tu ne peux pas être semblable à Jésus les vendredis parce que tu pars prier, mais le mercredi, tu es semblable à Lucifer. Donc, semblable dans tous les domaines, sans exception. Alléluia. Et non-stop. J'aimerais t'inviter de lire quelques versets avec moi. Je pense que c'est très important que nous puissions en parler cela, parce que nous sommes en train de reprogrammer notre destinée et nous devons revoir toutes choses depuis la source. Et nous devons vraiment détecter chaque point qui concerne la reprogrammation de notre destinée. Alléluia. Et je pense qu'après ce 21 jours, Dieu, ou bien même pendant ce 21 jours, Dieu va te visiter et tu verras des choses qui changeront dans ta vie que tu négligeais auparavant. Alors, lisez avec moi, je t'invite. Genèse 2, 15-18. Genèse 2, 15-18, vous allez remarquer quelque chose avec moi. Nous allons, alléluia,
Genèse 2. Je pense que nous sommes y arrivés. Je lis la parole pour toi et moi. Genèse 2, 15 à 18. La Bible déclare ceci. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Je vais revenir sur cela. Lis avec moi le livre de Daniel. Quand on va finir de lire, je vais te dire sur quoi on va parler ce matin. Mais je pense que pendant que nous lisons, tu vas déjà un peu comprendre de quoi il s'agit. Mais je ne vais pas parler ici d'être semblable, ne vous inquiétez pas. Alors, nous sommes dans le livre de Daniel 1, 4 jusqu'à 9. Je vais lire vite fait, c'est très important. Daniel 1, 4 jusqu'à 9. La Bible déclare ceci: des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'ont enseigné les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années. Au but desquels il serait au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Hanania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach et à Azaria, celui de Abednego. On a dit jusqu'à 9. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Alléluia. Je t'invite de lire avec moi. Juge. Et d'autres versets, je vais paraphraser quand je parlais. Nous sommes dans le livre de Juges 13. Lis avec moi, Juges 13. S'il vous plaît, aimez la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Si la parole de Dieu a créé même les arbres, même les montagnes, même toi et moi. Donc, c'est seulement la parole de Dieu qui aura la capacité de reprogrammer ta destinée. Alléluia. Voilà pourquoi le diable ne combat pas tout le monde, ne combat pas toutes les femmes, les hommes de prière, mais il combat des hommes et des femmes de prière qui savent de quoi il s'agit dans leur prière. Alléluia. Qui ont la connaissance de ce qu'ils disent, de ce qu'ils prononcent. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Juges 13, 3 jusqu'à 5. J'aime la parole, j'aime la Bible. Alléluia. Juges 13, 3 jusqu'à 5. La Bible déclare ceci, je vais lire pour nous tous. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, oh bien-aimé, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Oh bien-aimé, il y en a plein de versets que je peux commencer à vous citer concernant ce que nous allons parler ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur car tu es en train de reprogrammer ma destinée? Merci Seigneur, car tu as Alléluia. ma destinée. Thank you, Jesus. Bien-aimés, si nous retournons dans le livre de Genèse,
Vous n'avez pas besoin de lire, mais je vais paraphraser cela. Je dois juste seulement ouvrir. Bien aimé, nous allons remarquer quelque chose. Aujourd'hui, nous allons parler sur connaître les interdits de ta prédestinée. Alléluia. Je le répète, nous allons aujourd'hui parler sur connaître ou bien quels sont les interdits qui peuvent bouffer l'accomplissement de ta prédestinée dans ta destinée. Quels sont les interdits qui peuvent compliquer ta prédestinée dans ta destinée? Quels sont les interdits de ta prédestinée? Alléluia. Bien-aimés, nous allons remarquer dans le livre de Genèse, alléluia, souvent, il y en a certainement les gens qui ont remarqué cela, mais beaucoup de gens, je suis sûre qu'ils n'ont jamais remarqué que quand Dieu avait donné l'ordre de ne pas manger, hein, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les gens souvent ne remarquent pas que Ève n'était pas présente. Alléluia. Nous allons voir que Dieu avait donné cet interdit à l'homme avant que Ève soit matérialisée, avant que Ève soit incarnée dans la vie de l'homme. Alléluia. Avant que Ève soit visible dans la vie de l'homme. Parce que Dieu, dans le verset 17, il a dit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et ensuite, Dieu dit, l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Parce que c'est après cette phrase qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul que Dieu a eu la pensée, hein, maintenant de former aussi Ève, d'appeler Ève qui était à l'éternité, d'appeler pour qu'elle devienne palpable dans le présent. Alléluia. Et nous allons remarquer que Dieu ne parle pas ici de vous, il parle de tu. C'est une individualité, bien-aimée. Alléluia. Bien-aimée, ce qui concerne les interdits de la prédestinée, il y a des péchés, il y en a des choses qui deviennent un péché quand toi tu le pratiques. Alléluia. Il y en a des choses que Dieu interdit seulement à toi. En général, le péché concerne tout le monde. Alléluia. L'interdit des péchés concerne tout le monde. Mais il y en a des spécialités, des choses spéciales que Dieu interdit à chacun de nous d'une manière individuelle. Vous voyez? Peut-être, par exemple, je donne un exemple. La Bible nous montre clairement dans le cas de Samson. Samson était le seul à qui... La maman de Samson était la seule à qui l'ange... dans tout Israël, avait dit à ce moment-là de ne pas, à aucun prix, de passer le rasoir sous la tête de l'enfant. Alléluia. Et nous allons remarquer, c'était après avoir brisé cet interdit que cela a bouleversé totalement la destinée de Samson. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Yes, sir. Nous allons remarquer avant qu'une prédestinée s'accomplisse dans sa totalité. Bien-aimé, il y a toujours un interdit qui protège cette destinée. Alléluia. Qui protège cette prédestinée. Amen. Voilà pourquoi Dieu envoie les interdits spéciaux pour te garder dans cette ceinture, pour te garder dans cette protection. Alléluia. Bien-aimé, l'ange avait dit à la maman, donc même la maman de Samson, elle aussi avait reçu un interdit. On a dit, tu ne bois ni vin, ni de liqueur forte. Alléluia. Amen. Et l'ange l'avait dit, tu vas jamais raser les cheveux de cette... C'était un interdit que les parents de Samson ne devraient jamais oser dans leur vie. Amen. Car en agissant ainsi, ils mettaient la prédestinée de leur enfant en danger. Mmh. Alléluia. Et Amen. Nous allons même voir, quand on a cherché à exterminer Samson, le diable sait que ce n'est pas toute chose qui peut t'exterminer. Mmh. Le diable sait qu'il y a une chose qui doit exister dans ta vie dont Dieu est vraiment strict avec. Écoutez, dans le jardin d'Éden, il y avait plein d'arbres. Mais pourquoi le diable est seulement venu pour leur parler concernant ces arbres-là dont Dieu avait parlé auparavant?
Pourquoi il n'a pas utilisé d'autres arbres? Alléluia. Pour essayer de leur faire manger d'autres arbres. Pourquoi c'était seulement cet arbre-là que Dieu avait interdit auparavant? Bien-aimé, dans le chemin de l'accomplissement de ta prédestinée, dans ta destinée, il y a aussi toujours un interdit que Dieu a lancé concernant ta vie. Alléluia. Beaucoup de personnes ont mal à palper leur prédestinée dans leur destinée parce qu'ils ont déjà brisé et négligé les interdits de Dieu concernant leur prédestinée. Voilà pourquoi la Bible déclare « l'homme a péché ». Pourquoi? Parce que c'était l'homme, la première personne qui était au courant de cet interdit. Alléluia! Parce que quand Dieu donna cet interdit à Adam, Ève n'était pas là. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas condamner Ève, parce que Ève n'était pas là physiquement. Mais l'homme était au courant, l'homme était le mieux placé de savoir et de dire non, stop! Ça, c'est un interdit et Dieu m'avait déjà dit, toi, ma femme, tu n'étais même pas là. Et nous allons voir dans le livre de Daniel. Daniel connaissait aussi son interdit. Il connaissait le secret de sa beauté, le secret de son intelligence, le secret de ses capacités. Donc, la condition, c'était qu'il ne devait pas toucher pour garder cette perfection-là, parce que ce jeune homme, parce que ce jeune homme, lui et ses amis, ils se distinguaient parmi toutes les personnes à leurs époques. Alléluia. Et pour garder cette distinction, il fallait aussi qu'ils se distinguent dans leur comportement. Amen. Il fallait aussi qu'ils se distinguent dans leurs habitudes. Il fallait aussi qu'ils se distinguent dans ce qu'ils consomment. Il fallait aussi qu'ils se distinguent dans ce qu'ils boivent. Alléluia. Daniel et ses amis ne boivaient pas tout. Pardon, ne buvaient pas tout. Daniel et ses amis ne mangeaient pas tout. Il y a des interdits, bien-aimés, que toi tu négliges, mais qui peut te coûter ta prédestinée, qui peut coûter le chaos de ta prédestinée. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens ont mal et une grande difficulté dans leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ont brisé les interdits de la prédestinée. Excusez-moi. Je m'excuse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les gens souffrent dans leur destinée. Pourquoi? À cause d'avoir brisé et négligé un interdit quelconque que Dieu t'avait déjà lancé auparavant. Écoute, et dans ce qui concerne les interdits de la prédestinée, bien-aimé, cet interdit n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Moi, le Seigneur peut me dire, moi, Bella, le Seigneur me dit, toi, toute ta vie, tu ne manges pas la pomme. Ok? Tu ne manges pas la pomme. Bien-aimé, un interdit devient un péché quand tu pratiques cela, quand Dieu t'a interdit cela. Alléluia. C'est-à-dire que je n'entends plus l'homme de Dieu. Je ne sais pas si on m'entend, moi. Amen. Ok, ok, c'est bon. Alléluia. Donc, dans ce qui concerne les interdits de la prédestinée, Dieu n'est pas obligé de donner les mêmes interdits à tout le monde. Donc, toi, Dieu te dit que ne mange pas des pommes. Mais en soi, les pommes ne sont pas mauvaises, n'est-ce pas? C'est bon pour la santé, n'est-ce pas? En soi, les pommes sont bonnes pour la santé, pour digérer, etc. Mais à ce moment-là, les pommes deviennent un poison dans ton ventre spirituel pour ta prédestinée. C'est ça. Alléluia. Amen. Pour moi spécialement. Mais vous allez voir que ma sœur charnelle peut manger des pommes jusqu'à se fatiguer. Rien ne l'arrivera. Parce que ce n'est pas son interdit. Écoute, en ce qui concerne les interdits de la prédestinée, ce qui est permis pour tout le monde peut être pour toi un interdit, un danger, un péché. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Par exemple, Dieu me dit, dans 7 jours dans la semaine, toi, tu as seulement le droit de sortir 5 jours.
par semaine, par exemple. Mais les 2 jours, enferme-toi dans sa chambre, dans ta chambre. Bien aimé, sortir pour aller faire des courses, pour aller faire quoi que ce soit, ce n'est pas mauvais. Mais une fois que je brise cet interdit, ça devient mauvais et ça devient un péché. Pourquoi? Parce que j'ai brisé les interdits qui protègent ma prédestinée. Amen. Aujourd'hui, les gens ont mal à toucher, à vivre leur prédestinée pleinement. Parce que, bien aimé, regarde, ben, tu as déjà brisé quelque chose qui faisait part de ton alliance avec Dieu. Et il est maintenant temps, la Bible déclare, rappelle-toi d'où tu es tombé. Il est maintenant temps de savoir, Seigneur, quel est l'interdit finalement que j'ai dans ma prédestinée. Et c'est ce qui est grave. Les gens ne connaissent même pas leur interdit. Écoutez, bien aimé, chaque personne qui connaît sa prédestinée, qui connaît de quoi Dieu l'a choisi, Dieu l'a appelé, il est obligé de connaître quels sont mes interdits, car Dieu ne révèle pas ta prédestinée sans t'alerter. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te révéler la grandeur de ta prédestinée sans te tirer les oreilles et te dire « fais attention à ceci ». Alléluia. Dans ce qui concerne les interdits, bien-aimé, Dieu est capable de te punir plus qu'une autre personne qui a pratiqué la même chose. Parce que c'était ça, le secret de ton alliance avec Dieu. Alléluia. Et vous allez voir, les diables ne viennent pas attaquer tout le monde dans le même domaine. Ils cherchent toujours quelle est la clé de son alliance avec Dieu. Quel est cet interdit spécial qui maintient sa prédestinée, qui maintient sa relation avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer la première des choses qu'on a cherché, la première des choses qu'on a cherché pour détruire Samson, on a dit on doit d'abord découvrir quel est le secret de son alliance et nous allons l'attaquer par là. Amen. Alléluia. Oh bien-aimé, que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te bénisse ce matin. J'aimerais vraiment que tu deviennes consciente de l'interdit de ta prédestinée. C'est très, très, très important. Alléluia. C'est très, très primordial pour savoir comment protéger ma prédestinée pour vivre cela pleinement dans ma destinée. Alléluia. Thank you, Jesus. La brosata la bachete. Je t'invite pour le temps qui reste, pour les 30 minutes qui restent, de prier avec moi. Alléluia. Shabra kaskaterebosa. Commence à prier en esprit là où tu es. La brinda le kuragazubla katerebosi kilibar. Le preso terebushi kleraba sopla kate. La brinda le gosi glenta la gosi klaraban terebande. Thank you, Jesus. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Amen. Bien-aimé, tu vas prier en disant ceci. La Bible déclare, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, révèle-moi quel est l'interdit crucial de ma prédestinée. Alléluia. Quelle est cette chose qui, à tout prix, je ne peux jamais oser et toucher, qui peut m'écouter toute ma prédestinée? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne nous laisse jamais ignorants. Jamais. Alors tu vas dire, Seigneur, révèle-moi l'interdit de ma prédestinée.
La brosse tokoria pasata. Commence à prier avec moi. Seigneur, je te prie ce matin. Yahweh, révèle-moi pendant ce 21 jours. Quel est l'interdit de ma prédestinée? Quel est l'interdit, Seigneur, de ma vie? Quel est l'interdit, Seigneur, qui peut bouffer ma prédestinée? Quel est l'interdit, Seigneur, Père et Papa, qui m'empêche, à vivre pleinement ma prédestinée, ô Jésus? Seigneur, je te prie, Papa, quel est cet interdit? Quel est cet interdit, Père éternel, Papa? En quoi je ne peux jamais toucher? En quoi je ne peux jamais toucher à aucun prix, Seigneur? La brosse, Toro, Chantarabata, les bresses, Kériamante, Kerebo, Kériamante, Rikapelebo, Sagalera, Bochanta, Rezo, Placateria, Marche, Linda, Rebo, Zede. Le Christ Baloua Kalegonde, la Grihusu Klinta le Bushanda, Repoussanta la Bacheteke, Rekata la Banterekus de Bala. Commence à prier, bien-aimé, Riplasota la Bacheteke. Seigneur, je veux connaître pendant ce 21 jours. Quel est l'interdit, Seigneur, de le voir, Papa, que tu as posé, Seigneur, dans ma prédestinée, Seigneur? Quel est l'interdit auquel je ne peux jamais toucher? Quel est l'interdit auquel je ne peux jamais faire éternel aussi? Quel est l'interdit qui protège ma prédestinée? Quel est l'interdit qui fait part de l'alliance, de mon alliance avec toi? Quel est l'interdit, Seigneur, qui font part, Seigneur, de mon alliance avec toi? La brosso tokoriaba, reboshi kerebandi, libra dotolobo santa, la brisi kila rebandondo, ye kerebabushi kelema, e brisu klita la batete, la brosso kenyamanta, le brede kete, li Seigneur, révèle-moi quel est cet interdit. Quel est cet interdit? Quel est cet interdit? Quel est cet interdit auquel je ne peux jamais toucher? Auquel je ne peux jamais toucher? Révèle-moi, Seigneur, l'interdit le plus grand de ma vie. Révèle-moi, Seigneur, l'interdit le plus grand de ma vie qui peut menacer ma prédestinée dans ma destinée, qui peut menacer la prédestinée de mes enfants, qui peut menacer la prédestinée de ma descendance, qui peut menacer la prédestinée, la brosse au tolobo chakalabante, la brisa qui la remo chandalagada, et brica le bossu kliamante, le brosu kliamante kerebo chanda, libre zengeregedu siklendi, la brisa krada la banda, yes popaligu chigele mandi. Replusu karamante keria, eklia bahus glinda le goden, likua bahurika siklemanda, e Cristo bende le bosu kliama, e brate kere bosu keteria bota, rike parigadosi gele mandi, rike dele gendele benze galabande, rike dere busanda la gadam, e brakosu dele bosanda, rike parakasoble. Les graines de l'égoutte, éclairées par la sang à la gada, répite à la gada, répate que les moussas à la bas, et cabalaba la bas, soblé que t'es les bosses, riquende les boussas à la gada, et gagne les bosses à la badea, et clairement à la coupe, les grilles chouglines à la boussanda, et braquette et quête, les graines à zobla, les graines de l'égoutte, soucriamante. Rebandele bosti gele bostandele bande, eklia rakuzi klera mashu klinta la gadana, eklar bostu klinkate, leskopa lugo shandala mai. Thank you, Jesus. Alleluia. Shebra kata palaba shete. Alleluia. Thank you, Jesus. Kata rakata la bostete lekete. Repata kala kateri bostandala gadana. Alléluia. Les brèches pites, les bantes à la gadine. Et braca sopla cati le gousse glande le gadonna. La prahati le rebosse cai. Et clira bosci claradec. Reclira bossandi. Libra zoto curiamanta. La grinda luhuria asma alira o stepente. Le prohusi clinta la bandala. Le griso blinca recusipla cateria. Au nom de Jésus-Christ, la grotte te couriabate que repatarabas chandam. Alléluia. Rebantolobo. Alléluia. Chandarababa.
La Bible déclare ceci dans le livre de Juges 13. La Bible dit, dans verset 3, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Bien-aimé, je disais ceci, à partir du moment où Dieu te révèle quel est ce qui est prédestiné pour toi, il y a toujours un interdit qui suit. Alléluia. Un conseil qui suit. Ah, la Bible éclate, prends garde, prends garde. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es consciente de quel est ta prédestinée, bien-aimé, chaque être normal doit aussi connaître quelle est la parole, l'interdit que Dieu m'avait dit en me révélant ma prédestinée. C'est ça. Alléluia. Donc, quelqu'un qui connaît sa prédestinée et qui ne connaît pas son interdit, bien-aimé, cela n'existe pas. Cela n'a jamais existé dans la Bible. Parce que Dieu sait, la grandeur de la chose qu'il t'a confiée nécessite une protection spéciale. Yes. Alléluia. Amen. Une protection qui nécessite quelque chose qui met l'accent sur l'alliance que tu as, l'alliance particulière que tu as avec Dieu. Écoute, la Bible déclare, maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur fort et ne mange rien d'impur. Bien-aimé, tu vas prier en disant ceci, Seigneur, quel est cet interdit qui peut même mettre la vie de mes enfants et ma descendance en danger? Alléluia. Bien-aimé, car ici la Bible dit, l'ange dit à la femme de prendre bien garde. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que si elle n'allait pas respecter ces choses, cela allait la coûter la vie de son enfant. Pas seulement sa vie, mais aussi la vie de l'enfant. Parce que nous le savons, quand une femme est enceinte, lorsqu'elle boit des liqueurs, de l'alcool ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe? L'enfant boit aussi. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe? L'enfant meurt. Parce que l'alcool est un poison pour un embryon. Alléluia. Et vous allez voir, une femme qui est enceinte ne protège pas seulement sa vie. Vous allez voir, c'est ce qu'elle mangeait auparavant. Ce ne serait plus les mêmes choses qu'elle va manger pendant qu'elle est consciente qu'elle porte aussi un enfant sur son ventre. N'est-ce pas? Même souvent les femmes qui fumaient, une fois qu'on l'a dit que tu es enceinte, elle arrête, elle fait quoi? Elle arrête de fumer. Parce qu'elle sait que, bon là je parle des femmes normales, parce qu'il y a des femmes qui fument même pendant toute sa grossesse. Alléluia. Et même nous allons voir, même l'anatomie nous dit que ce genre d'enfants dont les parents boivent de l'alcool, fument pendant la grossesse, ce genre d'enfants ont vraiment un retard au niveau de leur cerveau. Beaucoup des enfants qui sont nés dans cette condition, quand la femme ne prend pas garde, c'est ce qui peut contaminer la santé de l'enfant. Pas seulement ta propre santé à toi, mais la conséquence sera double. Alléluia. Amen. Tu te mets en danger toi et tu mets en danger l'enfant que tu portes sur ton ventre. Voilà pourquoi l'ange a dit, prends bien garde. Alléluia. Ni de liqueur, ni de boisson forte, et ne mangerai d'impur. Pour protéger quoi? Pas seulement te protéger toi, mais protéger aussi. Donc, pense à celui qui est dans ton sein. Amen. Bien-aimé, il est très important que tu puisses connaître quel est l'interdit qui est aussi lié à ta descendance. Alléluia. Bien-aimé, parce que nous avons des mères et des pères qui ont bouffé la destinée de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a un interdit dans la vie que tu n'as pas respecté et tu croyais que c'est ta vie. Or, que cela concernait aussi la vie de tes enfants, concerne aussi la vie de ta descendance. C'est ça. Concerne aussi la vie de ta postérité. C'est pour cela, ici, vivre, par exemple, c'est pour cela, c'est vraiment un poison de vivre en mode de m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fiche. Je m'en fous. C'est ma vie. Ne sois pas une mère irresponsable qui risque pas seulement sa vie, mais aussi qui bouffe la vie de ses enfants. Ne sois pas cette mère-là qui est tellement dans la distraction qu'elle s'endort sur la vie de son enfant et tue elle-même l'enfant. Après, nous avons dit que c'est la sorcellerie de la famille, les liens de la famille. Bien-aimé, tu es le propre démon de la destinée de tes enfants. Forgive. Et souvent, je suis très en colère des gens
qui sont incapables de reconnaître leur faute, là où ils sont tombés, c'est toujours les démons, les diables. Les démons, les diables. Les démons, les diables. Or que le premier démon, ce sont nous-mêmes. Or que nos enfants vivent avec les plus grands démons qui sont nous-mêmes. Parce que nous prenons ni garde sur la vie de nos enfants, sur ce qui peut nous poursuivre après. Et c'est ainsi que nous allons faire souffrir les hommes de Dieu avec des délivrances, des liens. Or qu'il n'y a pas de question des liens hommes de Dieu. Demandez aux parents qu'est-ce qui était ce que Dieu vous avait dit concernant ses enfants. Alléluia. Avez-vous respecté ce que le Seigneur vous avait dit? Respectes-tu la qualité de vie que tu dois mener pour protéger ton mariage, protéger tes enfants, protéger ton travail, protéger tout ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Voilà, je suis toujours contre des délivrances sans révélation. Quelqu'un te dit, oh, je pense que je suis combattu. Allez, nous tous, en tant que des hommes et les femmes de Dieu, nous allons prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais tandis que le premier démon que nous devons commencer à chasser, c'est la personne elle-même. Alléluia. Oh, bien-aimé, reprogramme pendant ce 21 jours ta destinée. Tu vas dire, Seigneur, révèle-moi pendant ce 21 jours quel est l'interdit aussi qui est lié aussi à la destinée de mes enfants que je dois bien prendre garde. Alléluia. Commence à prier avec moi. Seigneur, quel est cet interdit, Seigneur, qui est lié non seulement à ma destinée, mais à la destinée de mes enfants, à la destinée de ceux qui viennent après moi, à la destinée de ma descendance, à la destinée la brosotokarabasata, de mes petits-enfants. Seigneur, révèle-moi pendant ce 21 jours, quel est ce grand interdit, Seigneur, qui est lié à mes enfants, qui est lié à mes petits-enfants, Seigneur. Donc, je dois prendre garde. Seigneur, je veux prendre garde. Je veux prendre garde à ne pas risquer par mon mauvais comportement, par ma manque de surveillance. Je ne veux pas risquer la vie, alléluia, la vie de mes enfants. Je ne veux pas bouffer la destinée de mes enfants. Je ne veux pas modifier la destinée de mes enfants, la protoco, rita pala machende, mande rebo santa, rica pale botu criama, eplica le bouche clende, rica pala botu clana, la crios clinte, libra stopatai, rica pale bosse, rakita la banda, le grushu clana, ibresu keramante, rapaturica sopla cate, libriso kite rebo santa. Alléluia. Alléluia. Yakara baba bo sukeria baba madesh. Alléluia. Thank you Jesus. Alléluia. Thank you Jesus. Amen, amen. Thank you Jesus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons encore continuer de prier. Nous avons encore 10 minutes. Tu vas dire Seigneur, parce que dans cette histoire, tu peux aussi, même si ce n'est pas Salomon, même si la Bible, par exemple, à ton cas, cela n'est pas Salomon, mais à ton cas, ça peut être ton ministère. Alléluia. Chacun de nous porte dans son sein
Alléluia. Dans son ventre spirituel, une semence particulière de la part de Dieu. Alléluia. Et toute semence particulière, alléluia, demande aussi une protection extra et particulière. Alléluia. Sache que, bien aimé, toute chose particulière que Dieu a semée en toi concernant ta prédestinée nécessite aussi une protection, une garde particulière. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu vas dire, Seigneur, quel est l'interdit qui concerne mon ministère? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui ne connaissent même pas les interdits de leur ministère. Oh, j'ai carabos. Voilà pourquoi tu vas voir des hommes de Dieu qui commettent une petite erreur. Donc, tout son 20 ans de ministère est oublié, est tombé, est distrait, est détruit. Alléluia. Nous allons voir des gens même, à cause de la négligence de leurs interdits, cela est devenu la raison de blocage et la chasseresse ministérielle. Alléluia. Parce qu'ils se disent que hein, c'est une petite chose. Bien aimé, cette petite chose-là peut être pour quelqu'un d'autre une petite chose, mais pour toi, c'est une grande chose. Alléluia. Manger de fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était une petite chose. Pour moi, vous voyez? Mais pour Adam et Ève, cela a coûté toute une génération jusqu'à présent. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas dire, Seigneur, quel est l'interdit? Révèle-moi l'interdit de mon ministère. Chaque homme ou femme de Dieu qui a reçu un appel tout droit venant du ciel au ministère, elle doit connaître, bien il doit connaître quel est le tabou de mon ministère. Alléluia. Des mandats sans tabou n'existent pas. Il n'existe aucun mandat où Dieu te permet de tout faire sans exception. Cela n'existe pas. Chaque mandat a un tabou. Nous voyons même les gens de gouvernement, ils ont aussi des tabous. Je vous donne un exemple. Par exemple, un juge allemand, il n'a pas le droit de se retrouver dans un bar. Alléluia. Mais or que pour certaines personnes, aller dans un bar, c'est normal. Mais pour un juge, celui qui défend la loi du pays, c'est absolument strictement interdit pour lui de se retrouver dans ce genre de milieu. Alléluia. Et il risque de perdre sa licence, il risque de perdre sa licence, hein, le droit d'exercer son travail. Parce que c'est ça son interdit. Moi, je vais dire, ah, mais eux, ils exagèrent. Ah, c'est quelque chose de petit. Mais pour lui, ça peut lui coûter son travail. Écoutez, et si ça lui coûte son travail, ça lui coûte sa maison. Si ça lui coûte sa maison, ça peut aussi lui coûter son mariage parce qu'il n'aura ni argent de nourrir sa femme, ni ses enfants. Ça peut lui coûter l'université de ses enfants parce que quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de moyens pour payer l'université des enfants. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire que par une négligence, ça peut tout casser. Alléluia. Oh, tu vas dire, Seigneur, quel est cet interdit? Seigneur, révèle-moi l'interdit de mon ministère. Révèle-moi l'interdit de ma maison. Révèle-moi l'interdit, alléluia, de tout ce que je fais. Commence à prier avec moi, bien-aimé. L'igrazo, la catégo, c'est parakataya. Igleyabo, sukriamante. Rekete, keteriabaso, bla. Rekepere, kuziblende. La brade, keteragosta. La cricho, plinga, le bonne. Rico Luca Suclataya, Mintura Basopla Cate, Rico Porica Sete, Reba Suglamanda, Ligro Sugalabatere. Seigneur, révèle-moi l'interdit de mon ministère. Révèle-moi, Seigneur, l'interdit de ma vie, l'interdit dans tout ce que je fais, l'interdit ministériel, Seigneur. Quel est cet interdit ministériel, Père éternel? Alléluia. Qui est cause de chasseresse ministérielle, qui est cause de stagnation ministérielle, qui est cause de stagnation, de blocage ministériel. Replace-toi, placaté, libre-zène de l'ébose, caricose-toi, placataya.
Manto robo sete, libro zondo lobo shande, la prince sublime karakataya, le gresete keriosa, le breke terigozete, marebo su kriamanda, le breze keligo shande legedea, rike balabalaba shinde legede, reko suble karigosa, li crema sanda, viende rebo su terekosata, révèle-moi Seigneur, quel est cet interdit ministériel qui est cause de la chasseresse ministérielle, qui peut être cause de blocage, de stagnation ministérielle dans ma maison, dans ma vie, dans l'œuvre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Glory to you, Jesus. Oh, alléluia, notre avant-dernier sujet de prière. Oh, le temps est passé. Oh, Jésus, supporte-nous pendant 5 minutes. Nous allons prier. La Bible déclare que Daniel avait refusé. Donc, Daniel résolu de ne pas se suyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il prie le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se suyer. Alléluia. Oh, bien-aimé, nous voyons que Daniel et ses amis, des gens qui étaient conscients de leur prédestinée, ils savaient que nous n'avons pas droit à tout prix de ne jamais toucher la nourriture que le roi nous propose. Alléluia. Bien-aimé, un homme ou une femme spirituelle qui connaît sa prédestinée ne mange pas n'importe quoi avec n'importe qui. Amen. Alléluia. Même Amen. Là où tout le monde peut manger à cause de la famine, mais toi, tu gardes la maîtrise et le caractère du ministère. Yes. Alléluia. Beaucoup de personnes ont échoué dans le ministère à cause de manque de force et de caractère de ministère. Alléluia. Nous avons vu que le jeune prophète, il était prédestiné de faire de grandes choses. Mais à cause de manque de connaître, de respecter ses interdits, il s'arrêta au bord du chemin. Alléluia. Alléluia. Lui-même, il a coupé la longévité ministérielle de sa vie. Bien-aimé, on ne joue pas avec les interdits. Les interdits, en réalité, sont là pour te protéger dans cette alliance particulière. Yes. Tu vas dire, Seigneur, ne me permets pas de manger ou bien de boire n'importe quelle nourriture. Bien-aimé, je ne parle pas de couscous, je ne parle pas des haricots. Je parle de toutes les choses que tu peux consommer spirituellement, toucher ou bien entendre ou bien, vous voyez, toutes choses qui peuvent influencer. Hein? Tu vas dire, Seigneur, je refuse de manger n'importe quoi et de boire n'importe quoi qui peut devenir un poison demain. Un poison demain pour ma prédestinée. Alléluia. La brosso coréa katalaba, commence à prier, commence à refuser de manger, de boire toute chose qui peut devenir un poison pour ta prédestinée. Il peut devenir un poison pour ta prédestinée dans ta destinée. Alléluia. Les brosos kariba sande, rika palaba shikere bandeya, enere bobo sukariya mandala bandere bo sandaya, enere bisa galibo shikere bande, rika palabo sukariya mandala bo shindara bandere bo sa, ekri baleku riko su blente legen, abliku rakusu klara ba shikere bande, replosu kiste le pantaria kosu blente, Aclira o suplice de bosso calabai. Et puis, oh, je refuse, Seigneur, de consommer, de manger, de boire toutes sortes de boissons, toutes sortes de nourriture qui peut devenir un poison pour mon lendemain, qui peut devenir un poison pour ma prédestinée, qui peut devenir un poison pour mon lendemain, qui peut devenir un poison.
poison pour ce qui m'arrive demain. Replaçande. Les bros s'attachent. Je refuse toutes sortes de propositions. Je refuse toutes sortes de propositions. Toutes sortes de propositions démoniaques. Toutes les sortes de propositions diaboliques. Toutes sortes de propositions ténébreuses. Toutes sortes de propositions, alléluia, diaboliques. Qui peut être un poison, un piège pour ma prédestinée, pour la manifestation de ma prédestinée dans le présent. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la brosso coria kataya. Rebatterebo sukaragade. Thank you, Jesus. Alléluia. Oh Jésus. Rabata kataraba sende. Karabasto blanc. J'aime Jésus-Christ, j'aime la Bible. Maintenant, notre dernier point de prière. Alors, que faire maintenant pour les gens qui ont déjà brisé leur interdit? Alors, que faire? Nous devons aussi, homme de Dieu, nous devons aussi proposer un sujet de prière pour les gens qui ont déjà... Voilà, que faire? Écoutez ceci. C'est ce que j'aime dans la Bible. Ce qui est ton interdit, ça sera... ta force ou bien aussi le chemin par lequel Dieu passera demain pour te récupérer. Nous allons voir, je ne veux pas lire à cause du manque du temps, mais nous allons voir dans le livre des juges. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi Dieu avait choisi le cheveu? Pourquoi Dieu avait choisi le cheveu de Samson? Pourquoi il n'a pas choisi les bras? Pourquoi il n'a pas choisi les oreilles? Pourquoi pas la bouche? Pourquoi pas les pieds? Mais vous savez, c'est ce qui se passe, ce que j'aime bien, cette histoire de Samson nous révèle aussi que la gloire de la deuxième maison existe. Alléluia! Là où tu es chuté, Dieu peut te restaurer. Car Samson connaissait son interdit. Mais quand tu te réponds, Dieu est capable de te relever. Et vous savez, c'est ce que j'aime avec Dieu. Pourquoi il avait choisi les cheveux de Samson? Parce qu'il l'avait prévu aussi quelque part. Si un jour ça arrive que mon enfant cède, que mon enfant commet l'erreur, je dois aussi avoir un moyen, alléluia, par lui récupérer. Et vous savez pourquoi les cheveux? Bien aimé, même si on te coupe les cheveux, mais personne ne peut empêcher que les cheveux puissent encore repousser. Alléluia. Raplatokratakaya. Hey! Bien-aimé, même si on te coupe les cheveux, mais les cheveux peuvent pousser. Alléluia. Ce qui est symbole de la restauration divine. Yes. Alléluia. Ils ont coupé les cheveux de Samson, mais ils ont oublié la piège de Dieu dans tout cela. C'était que Dieu avait prévu. Même si ça arrive un jour, je dois prendre quelque chose qui me permettra encore de restaurer cela. Alléluia. Si c'était dans le bras de Samson, ça allait être difficile, hein, de prendre un autre bras, de le mettre. Oui, bon, voilà, Dieu est capable de tout. Mais restons dans le contexte de l'histoire. Alléluia. Mais Dieu avait choisi quelque chose qui permettra à l'homme de lui restaurer. Alléluia. Et la Bible déclare, quand Samson, hein, quand Samson il s'est repenti, quand il a fait cette prière, bien aimé, la Bible dit ses cheveux commençaient à pousser un peu. Il avait même pas de longues tresses, pas du tout. Mais la force que Samson raclapassata, la force que Samson avait cette fois-ci, ça dépassait même la force qu'il avait quand ses cheveux étaient longs. C'est ce que j'aime avec la restauration divine. Écoute, quand le Seigneur décide de te renouveler, de te renforcer, de te restaurer, cela va toujours au-delà d'une force agressive de ce que tu avais auparavant pour montrer que Dieu est avec toi. Alléluia. La Bible déclare que ses cheveux commençaient à pousser petit à petit. Ses cheveux n'étaient même pas arrivés au terme. On pouvait encore lui tresser les cheveux. C'était plus nécessaire. C'est pour cela que Dieu devrait... Donc, cette force-là, c'était, et la Bible est claire, jamais, jamais, jamais dans sa vie, Samson a pu tuer ce grand nombre de personnes. Alléluia.
après sa repentance, après sa restauration. Alléluia. Amen. Voilà, tu vas dire, Seigneur, oh Seigneur, là où je brisais mon interdit, Seigneur, je prie pour la gloire de la deuxième maison. Je prie pour la pluie de la seconde saison. Je prie pour la gloire. Et écoute, la Bible dit que la gloire de la deuxième maison est plus forte, agressive que celle de la première maison. Commence à prier. Alléluia. Je dis, Seigneur, je prie pour la gloire, pour la seconde pluie, pour un souffle, pour le second souffle. Je prie pour la gloire de la deuxième maison. Les bras sécurités. Tu vas dire, Seigneur, fais pousser, fais repousser mes cheveux. Pendant ce 21 jours, faire repousser mes cheveux, faire repousser mes cheveux, librazote que rebassane, malébrosi que rebassankaya, toi le Dieu de la restauration, toi le Dieu de la puissance, toi le Dieu, alléluia, de la gloire de la deuxième maison, Seigneur, que pendant ce 21 jours, que mes cheveux spirituels se repoussent. Que mes cheveux spirituels se repoussent. Que mes cheveux spirituels poussent. Continue à pousser. Commence à pousser. Toi, le Dieu de seconde souffle. Toi, le Dieu qui est capable de souffler pour la deuxième fois. Toi, le Dieu qui est capable de restaurer pour la deuxième fois. Toi, le Dieu qui est capable de nous moindre pour la deuxième fois. Toi, le Dieu, Père éternel, qui est capable de nous relever pour la seconde fois. Replace au placataya. Je prie pour la gloire de la deuxième maison dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma propre vie. La pluie, alléluia, de la seconde faisant, réclé par cette révolte, un vent nouveau. Je prie pour un vent nouveau pendant ce 21 jours, que ton vent souffle. Un vent nouveau, un second souffle. Nous avons besoin d'une seconde souffle. Les bras Kriyamasaka, la restauration, la gloire de la deuxième maison. Pendant ce 21 jours, je prie pour la gloire de la deuxième maison. La gloire de la deuxième maison qui est plus forte, qui est plus agressive que celle de la première maison. Chabre déclabre Katalaba, Rikle Pazople Keteleba, la broche du Kriyamate. Thank you, Jesus. Sakaria balabalaba sidel. Elle bila kruda halera. Hatis suplan. Ekra bashitere bossa. Alléluia. Oh bien-aimé, est-ce que peux-tu acclamer la grâce, la faveur, la bonté de Dieu ce matin? Peux-tu encore acclamer la grâce, la bonté, la faveur de Dieu ce matin, ce Dieu qui nous a fait énormément de bien? Sans plus tarder, je vous dis encore merci. Que le Seigneur vous bénisse. Et je remets la parole à l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Quelle parole, quel point de prière. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia pour cette grande, profonde révélation. Les cheveux doivent repousser. C'est ça qu'on appelle la reprogrammation. C'est ce qu'on appelle la régénération. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu pour restaurer ce qui avait été détruit. Jésus est venu pour nous réintroduire dans le plan parfait de Dieu qui existe dans la prédestinée. Et nous bénissons le Seigneur. Merci, prophétesse Bella, pour cette puissante inspiration et cette profonde révélation. Je veux dire à quelqu'un que la raison pour laquelle nous sommes là, effectivement, c'est parce que tes cheveux doivent repousser. Alléluia. Amen. Et tes cheveux sont en train de repousser pendant ce temps que tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, et les choses repoussent. Vous savez, lorsque vous êtes hors de la volonté de Dieu, lorsque vous êtes hors du plan de Dieu, lorsque vous avez perdu la saveur du sel que vous êtes pour la terre, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui a été prédestiné par le Seigneur ne peut pas s'accomplir. Et c'est la raison pour laquelle un moment on s'arrête et puis on dit non, ça c'est pas la vie que je dois vivre, ça ce n'est pas ce qui a été établi pour moi. Alors, je dois pouvoir me repositionner. Et pour me repositionner, j'ai besoin de celui qui m'a mandaté. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que ces temps vraiment soient des temps de grande bénédiction, de grande édification, surtout pendant que nous prions, pensez beaucoup plus, non pas seulement à nous-mêmes, à notre génération, mais pensez aussi aux 8 générations qui sont devant nous, parce que jusqu'en 2222, il y a 8 générations qui doivent pouvoir se présenter. Donc, nous avons 8 générations, donc les enfants, des 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 enfants, de nos enfants. Alléluia. Okay. Si,
si Jésus ne revient pas, bien sûr, si Jésus ne revient pas, je précise encore, alléluia, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons besoin réellement de prier le Seigneur pour que nous soyons dans la voie qu'il a prédestinée pour vous. Parce que si nous sommes dans la voie que le Seigneur a prédestinée pour vous, nous allons instruire nos enfants et nous allons dire à nos enfants d'instruire aussi à leurs enfants et que leurs enfants aussi instruisent aux autres jusqu'à 8 générations. Alléluia. Et que le Seigneur a donné. Merci encore, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons encore par la grâce de Dieu cet après-midi à partir de 16h, certainement 16h, ce sera mieux pour pouvoir avoir notre heure de prière de l'après-midi. Donc, je vous invite à partager au maximum, invitez vos amis, invitez, nous sommes assez nombreux, partage au maximum. Amen, pour que plusieurs personnes puissent profiter de ce qui est en train de se faire ici. C'est très, 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 très important. La vie, notre vie a été préparée avant que nous ne puissions venir sur terre. Et lorsque nous vivons des choses contraires à ce que notre vie devra être, nous avons besoin de pouvoir repartir dans le manuel du constructeur ou encore de notre créateur. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue, je salue la prophétesse Bella depuis l'Allemagne et puis la maman Bella aussi qui sera avec nous jeudi, vendredi. Nous bénissons le Seigneur. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, à tous ceux qui sont du côté du Gabon, à tous. Nous aimons énormément. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de la France aussi, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Shalom à tous. Alléluia, shalom, bye bye. Shalom. À cause de l'ignorance. Amen. Pourquoi Jésus dit mon peuple est péri à manque de connaissance. L'alliance va te préserver de certaines situations que tu ne peux pas combattre. Il y a des démons que tu ne peux pas combattre. Amen. Tu as besoin d'être dans une alliance. Tu ne peux pas être à l'église. Tu as le Père et tu n'es pas en alliance avec cet homme. Amen. C'est pas possible. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, si toi-même tu ne recordes pas, tes enfants vont recorder. Voilà pourquoi il faut toujours faire prier. Tu as besoin de l'alliance. Tu as besoin de rentrer en alliance avec ton Père spirituel. Sérieusement.